Alors qu'Akari Watanabe prie dans un temple, Shiori Sakurazaka la croise accidentellement. Cependant, après avoir réalisé que c'est Akari, elle lui demande si elle priait pour le prochain test de mariage fictif, ce qui embarrasse Akari, qui s'en va abruptement. Plus tard à l'école, alors que le protagoniste, Jiro Yakuin, joue à un jeu vidéo en indé, son ami Sadaharu Kamo se moque de ses préférences tout en montrant la version en 3D du même jeu. Leur conversation décontractée est interrompue par le groupe d'Akari, qui se moque d'eux pour bloquer l'escalier. Kamo en profite pour complimenter Akari, mais Jiro se plaint que des filles comme Akari ne s'intéresseront jamais à eux. Au même moment, Minami Tenjin monte les escaliers, rendant Akari toute gentille et câline, confirmant le point de vue de Jiro. Ensuite, la sonnerie de l'école retentit et Shiori appelle Jiro pour lui dire qu'elle sera associée à quelqu'un qu'elle connaît, faisant réfléchir Jiro à son amour de longue date pour Shiori, qui est également une amie d'enfance. Après cela, le professeur explique le prochain test de mariage fictif, dans lequel les étudiants resteront dans un environnement de type maison où un ordinateur surveillera leur activité quotidienne, bien que leurs chambres soient séparées. Cela affectera également leur performance académique globale, alors ils ne peuvent pas le sauter. Au lieu d'écouter l'explication du professeur, Jiro commence à jouer à des jeux en espérant être associé à Shiori. Cependant, les rêves de Jiro sont brisés car il est associé à Akari, qui est également en colère d'être sa partenaire. La dispute entre Jiro et Akari leur fait perdre des points négatifs. Akari suggère qu'ils devront s'entendre s'ils veulent changer de partenaire à l'avenir et montre à Jiro le livre des règles qui détaille le processus pour changer de partenaire, exigeant qu'ils s'entendent avec Akari, ce qui embarrasse Jiro, novice en la matière. Après cela, les gestes affectueux d'Akari leur font gagner un point positif, mais Jiro part car il ne peut pas supporter un tel comportement mignon, laissant Akari seul à penser à Minami. Pendant ce temps, Jiro surprend Minami et Shiori en train de discuter, ce qui le fait réaliser qu'ils sont devenus un couple, et il s'enfuit. Chez lui, Jiro rumine, pensant à Minami et Shiori se rapprochant, mais Akari le réconforte car ils sont dans le même bateau. Soudain, la sonnette retentit et Jiro décide de laisser ses soucis à la porte, mais Akari l'arrête et le presse de l'embrasser sur la joue avant de partir. Sous une pression interminable, Jiro finit par embrasser Akari sur les lèvres, ce qui la surprend, et elle avoue que le baiser n'était jamais censé être sur les lèvres. Jiro lui-même est troublé par le baiser, mais étonnamment, cela s'avère bénéfique car leur score de relation est réinitialisé. Ce soir-là, Jiro rêve de Shiori qui le réveille avec un baiser, mais il est confronté à la voix sévère d'Akari exigeant son aide pour les tâches ménagères. Alors que le temps s'écoule, Jiro se retrouve à l'école en train d'observer Shiori et Minami marchant ensemble, apparemment appréciant la compagnie de l'autre au milieu de la mélancolie de Jiro. Leur professeur principal s'approche de lui et exprime le désir de rencontrer à la fois Akari et lui après l'école. Ensuite, Jiro observe Shiori s'accrocher à Minami, ce qui assombrit davantage le moral de Jiro. Il sombre en classe, se sentant découragé par sa malchance, et médite sur ce qui se passe entre Shiori et Minami tout en réfléchissant à ses difficultés à se connecter avec Akari. Alors que l'école se termine, Kamo discute de sa vie avec son partenaire tandis que Jiro boude à cause de la pluie incessante. Akari les rejoint également alors qu'elle se prépare à partir, mais Jiro l'arrête en prétendant que leur professeur les a appelés. Akari refuse son invitation en citant ses projets de karaoké avec ses amis et Minami, prétendant qu'il peut assister à cette réunion seul. Cela irrite encore plus Jiro, mais il décide de rencontrer son professeur qui lui informe que leur score est nul depuis toute la semaine et que cela affectera sa note finale globale, ce qui déçoit Jiro. Pendant ce temps, Akari profite du karaoké avec Minami et d'autres. D'un autre côté, Jiro attend que la pluie cesse, mais le mauvais temps persiste. Par chance, Shiori le rejoint et le serre dans ses bras en prétendant avoir vu un insecte. Cependant, Jiro ne semble pas comprendre. Pendant ce temps, Jiro discute formellement avec Shiori, qui se plaint de son comportement. Avant que Jiro ne puisse s'expliquer, Minami les rejoint pour accompagner Shiori chez elle, ayant également oublié son parapluie. Après le départ de Shiori et Minami, Akari rejoint Jiro avec son parapluie, et en chemin, elle essaie de remonter le moral de Jiro en affirmant qu'ils devront simplement gagner plus de points à la maison. À la maison, Akari prépare une bonne bouffe pour Jiro et dessine un cœur dessus avec du ketchup, que Jiro apprécie. En retour de cette gentillesse, Jiro décide de nourrir Akari, qui refuse d'abord mais finit par manger dans la cuillère de Jiro, ce qui les surprend tous les deux. Cependant, Kamo appelle Jiro pile au bon moment et Jiro s'échappe de la situation en entrant dans sa chambre, tout en remerciant Kamo de l'avoir sauvé pendant qu'Akari se sent également timide. Nos deux personnages ne savent pas ce qui leur arrive alors que leur cœur s'emballe. La nuit, pendant qu'il dort, Jiro rêve encore d'embrasser Shiori, mais avant qu'il ne puisse embrasser, Akari le réveille pour regarder des films d'horreur avec elle. Akari explique qu'elle a entendu de son ami que regarder des films d'horreur et surmonter la peur ensemble les aidera à obtenir de meilleurs résultats, car elle veut aussi qu'ils soient bien classés. Cependant, Jiro arrête le film en prétendant qu'Akari n'a pas à se forcer comme ça. Après cela, Akari montre à Jiro une paire de costumes de couple qu'elle a acheté pour eux, car ils étaient en vente, et demande à Jiro de les porter, car elle veut voir à quoi cela ressemble sur lui. La pensée qu'Akari fait de tels efforts pour leur relation amène Jiro à réfléchir à quelque chose qui aurait pu se passer entre elle et Minami, mais il décide de ne pas trop y penser, car cela ne devrait pas le déranger. Un coup de tonnerre soudain provoque une panne d'électricité, incitant Akari à s'accrocher à Jiro. Jiro fait de son mieux pour la réconforter alors qu'ils sont assis ensemble. Akari demande ensuite à Jiro de lui raconter une histoire drôle pour détendre l'atmosphère. Il décide de taquiner Akari en racontant une histoire effrayante, mais Akari affirme que Minami ne ferait jamais une telle chose, alors Jiro devrait agir en gentleman. Le visage d'Akari rend Jiro confus. Mais Akari change de sujet en allumant une bougie parfumée que son ami Natsumi lui a offerte en cadeau pour leurs 2 ans d'amitié. La douce odeur de la bougie endort Akari pendant que Jiro la serre dans ses bras et la trouve même mignonne, ce qui le surprend au début. Cependant, en regardant Akari dormir, il finit par l'apprécier davantage pour les efforts qu'elle fait pour leur relation. Le matin, Akari se réveille en pensant à ce que Jiro lui a dit, ce qui la fait rougir. Après une semaine, les résultats des tests de mariage simulés rendent Jiro heureux, car il est en classe B, tandis que Kamo est en classe C. Akari se précipite de derrière en se sentant agité, car Shiori et Minami sont toujours en classe E. Cela fait également réfléchir Jiro aux raisons pour lesquelles Shiori et Minami prennent du retard. Alors que la journée passe, Jiro pense qu'au-delà de sa joie de voir que Shiori et Minami ne s'entendent pas, il semble qu'ils ne pourront pas être appariés ensemble, ce qui le préoccupe. Plus tard, Jiro tombe malade en tombant dans la baignoire qu'il lavait. Pendant ce temps, Shiori écoute une amie, Mei, jouer du piano et l'admire pour ses compétences, car elle est aussi douée pour les sports que pour le piano. Après avoir joué du piano, Mei interroge Shiori sur la raison de sa tristesse et finit par deviner elle-même ses problèmes, qui inclut le fait que Jiro est absent à cause de la fièvre et l'autre raison étant qu'elle est toujours en classe E. Shiori décide d'expliquer que comme elle est mal à l'aise avec les étrangers, cela nuit à sa relation avec Minami, et elle prétend que c'est de sa faute s'ils sont toujours en classe E. Pendant ce temps, Jiro est allongé au lit avec de la fièvre tout en se sentant triste qu'Akari l'ait laissé seul pour rencontrer ses amis, affirmant que si c'était Shiori sa femme, elle aurait pris soin de lui sans hésiter. Alors que Jiro a des pensées sur Shiori, la sonnerie de la cloche le rend heureux en pensant qu'Akari est de retour, mais à sa surprise, c'est Shiori qui se tient à la porte, ce qui le surprend. Pendant ce temps, Akari semble être dans la lune en passant du temps avec ses amis. Qui pense qu'elle pense à Minami, même si Jiro est également dans son esprit. Shiori informe Jiro qu'Akari est celle qu'il a appelée pour le visiter, ce qui fait que Jiro jubile. Ensuite, Shiori change le coussin refroidissant de Jiro tandis qu'elle se souvient de la nuit où Jiro l'a réconforté quand ils étaient enfants. Après cela, Shiori se rend à la cuisine et prépare un bol de bouillie chaude pour Jiro, ce qui le réjouit. Des souvenirs de leur passé inondent son esprit, en particulier le moment où Shiori avait déménagé temporairement. Pendant cette période, Jiro avait manqué sa chance de lui faire une proposition, mais il avait finalement abandonné ses sentiments quand elle avait exprimé son désir qu'il reste ami. Apportant la bouillie dans la chambre de Jiro, Shiori avait l'intention de le nourrir elle-même. Cependant, l'excitation de Jiro a pris le dessus, et il a décidé de tout manger tout seul, regrettant sa décision hâtive plus tard. Engageant la conversation, Jiro admire la cuisine d'Akari, tandis que Shiori affirme que Minami l'aide aussi en cuisine. Après cela, ils parlent de leur examen pratique, et Jiro discute du classement décevant à l'exercice pratique de mariage du couple de Shiori. Shiori avoue qu'elle se sent mal à l'aise autour de Minami et prétend qu'avoir Jiro comme partenaire aurait été bien mieux. Jiro tente de remonter le moral de Shiori, mais ses efforts échouent, le laissant désabusé et retournant dans son lit. Pendant ce temps, Shiori nettoie la vaisselle en se préparant à partir. Cependant, avant de dire un dernier au revoir à Jiro, elle ne peut résister à l'envie de jeter un coup d'œil à son visage endormi. Shiori envisage de l'embrasser pendant son sommeil, mais décide finalement de ne pas le faire, quittant silencieusement la pièce. Au café, les amis d'Akari expriment leurs inquiétudes quant à permettre à Shiori de rester avec Minami, craignant que Shiori puisse le lui voler à Akari. Entre-temps, Shiori se remémore sa dernière conversation avec Jiro avant son départ, où elle espérait lui avouer ses vrais sentiments. Cependant, elle bafouilla sur ses mots et finit par déclarer qu'elle voulait seulement rester amie, alors qu'au fond, elle avait aussi de forts sentiments pour lui. Plus tard dans la soirée, Jiro exprime sa gratitude à Akari de lui avoir envoyé Shiori pour s'occuper de lui. Jiro assure également à Akari qu'il la soutiendrait dans sa poursuite de Minami plutôt que de se contenter de lui. Bien que cela aurait dû être une bonne nouvelle pour Akari, elle se retrouve à dire qu'elle n'aime pas comment cela sonne, même si elle sait que c'est dans son meilleur intérêt. Et voilà, Akari commence à développer des sentiments pour notre protagoniste. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Akari demande à Jiro de l'aider à décider ce qu'elle peut faire pour impressionner Minami, ce qui amène Jiro à suggérer qu'Akari devrait essayer de lui préparer un repas. Les jours suivants, Akari force Jiro dans sa quête de préparer le déjeuner parfait pour Minami, lui demandant de goûter également, ce qui fait augmenter leur score. Akari interroge Jiro sur son expérience globale de sa cuisine, Ce à quoi Jiro répond qu'il adore tout mais préfère son omelette roulée sucrée. Cela amène Akari à dire à Jiro qu'il ne devrait pas lui dire sa préférence personnelle, car cela est destiné à Minami. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, Kamo admire la boîte à lunch de Jiro, ce qui le fait affirmer qu'Akari fait cela pour celui qu'elle aime. Kamo provoque Jiro pour qu'il se lâche enfin afin de perdre sa virginité, mais Jiro prend le parti d'Akari en affirmant qu'elle est une gentille fille. Alors qu'ils mangent, Akari s'approche d'eux et demande à Jiro à propos du déjeuner, ce qui le fait suggérer encore une fois qu'il aime les omelettes roulées sucrées. Cela déclenche un autre conflit entre les deux, tandis que Kamo reste assis là, se sentant seul. Le lendemain matin, Akari prépare la boîte à lunch finale pour Minami et offre à Jiro un morceau de l'omelette roulée sucrée. Jiro remarque que l'omelette manque encore de douceur et ne peut s'empêcher de se sentir blessé qu'Akari prépare un repas pour quelqu'un d'autre. Akari s'habille dans l'une de ses tenues les plus belles, ce qui fait réaliser à Jiro qu'elle ne l'a jamais fait pour lui. Akari, se sentant nerveuse, demande à Jiro de l'embrasser comme la dernière fois pour apaiser son anxiété. Jiro est pris au dépourvu par sa demande, mais alors qu'il est sur le point de céder, la sonnette d'entrée les interrompt. À leur grande surprise, Shiori est à la porte, portant une boîte de tartes aux pommes à partager en couple. Shiori mentionne qu'elle cuisine souvent des friandises délicieuses pour Minami, car il a une dent sucrée et lui a même demandé de faire ses tartes aux pommes. L'esprit d'Akari chute immédiatement en entendant cela, et elle décide de ne pas donner sa boîte à lunch à Minami. Pendant ce temps, Shiori s'en va tout en complimentant la boîte à lunch qu'Akari a faite, pensant qu'ils partent en pique-nique. Malgré la déception d'Akari, Jiro fait de son mieux pour la réconforter tout en appréciant le repas qu'Akari avait préparé pour Minami. Akari semble avoir abandonné, pensant que Shiori est une bien meilleure option pour Minami. Jiro tente de remonter le moral d'Akari en suggérant qu'elle peut explorer d'autres moyens d'impressionner Minami. Jiro mentionne également divers points positifs à propos d'Akari dans sa tentative de la rafraîchir. Cependant, les paroles de Jiro prennent une tournure qu'il n'attend pas lui-même, ce qui rend Akari mal à l'aise. En pensant aux paroles de Jiro, Akari décide de l'approcher. Mais Jiro l'arrête en suggérant qu'il devrait faire de telles choses avec les personnes qu'ils aiment. Les paroles de Jiro transforment Akari en un mélange de sentiments, et elle affirme qu'ils devraient cesser de faire semblant dans leur mariage pratique. Ensuite, le mec arrête de parler pendant toute la semaine alors qu'Akari passe du temps avec ses amis et que Jiro s'occupe en jouant à des jeux vidéo. Après une semaine, un tableau des scores est publié, montrant que Tenjin et Shiori sont en rang A, tandis que les scores de Jiro et Akari ont chuté en rang E. Ce qui attriste Shiori. Pendant ce temps, Kamo approche Jiro pour lui demander à propos de la diminution soudaine de son score. Jiro l'ignore, mais Jiro ne peut s'empêcher de penser à son dilemme avec Akari et à ses propres paroles qui lui ont fait du mal. Jiro réfléchit également au fait que les mains d'Akari tremblaient, réalisant qu'Akari n'est pas le genre de personne que les autres pensent qu'elle est. Cependant, Jiro se sent perdu quant à la manière dont il peut résoudre la situation avec Akari. Shiori approche Jiro pour discuter de sa situation avec Akari. Les paroles de Shiori font réaliser à Jiro qu'il devra s'excuser auprès d'Akari et expliquer ses paroles pour qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Jiro apprécie l'aide de Shiori, tandis qu'elle-même pense qu'elle ressent de la jalousie. Le soir, Jiro rentre chez lui, où il décide de tout avouer au sujet de ses paroles et frappe à la porte d'Akari. Akari laisse Jiro entrer dans sa chambre, où Jiro ne peut s'empêcher de complimenter la décoration de la chambre d'Akari et s'assoit pour avoir une conversation sérieuse avec elle. Alors que Jiro commence à s'expliquer, Akari l'arrête en prétendant qu'elle sait que ce qu'elle a fait était mal. Cependant, Jiro insiste toujours pour avoir une chance afin qu'ils puissent continuer leur mariage pratique en douceur et qu'il souhaite passer du temps avec elle comme avant. Cette confession fait battre le cœur d'Akari plus rapidement, et elle affirme qu'elle aussi aime beaucoup Jiro. La soudaine proximité pousse Jiro à essayer d'embrasser Akari, mais elle l'arrête avec ses mains, rendant Jiro embarrassé tandis qu'elle rit. Akari est vraiment habile. Après cela, Jiro quitte la pièce tandis qu'Akari se rend sur son balcon, où elle réfléchit à la manière dont elle a naturellement confessé ses sentiments à Jiro même si elle se sentait mal à l'aise à propos de toute leur situation. Alors que les choses reviennent à la normale, Akari discute avec ses amis pendant le cours de gymnastique. Natsumi mentionne son ancien béguin pour l'un de ses camarades, prétendant vouloir le choisir comme partenaire. Pendant ce temps, Saki suggère qu'ils échangeront de partenaires une fois qu'ils auront atteint un certain rang. La pensée d'échanger de partenaires attriste Akari, qui suggère qu'il ne devrait pas prendre cet examen à la légère. Pendant ce temps, Jiro fixe Shiori, ce qui amène Kamo à dire que Jiro pourrait toujours avoir des sentiments pour Shiori. Les paroles de Kamo font réaliser à Jiro que Shiori est également présente. Cependant, les acclamations des filles attirent l'attention de Jiro vers Minami, qui joue au basketball avec ses amis. La manière dont il joue conduit Jiro à penser que Minami est un héros dans un jeu où Jiro est simplement un personnage secondaire ignoré de tous, destiné à une mort brutale. Quand Jiro revient à la réalité, Kamo le salue avec une expression confuse. Plus tard, les amis d'Akari l'informent d'une rumeur selon laquelle Minami et Shiori ne changeront pas de partenaire malgré leur rang, ce qui suscite des sentiments compliqués chez Akari. Son visage sérieux attire l'attention de ses amis, provoquant la punition d'Akari par le professeur de gymnastique, qui lui donne la tâche de nettoyer la salle de sport après le cours. En quittant la salle de sport, Jiro croise Shiori et ils commencent à discuter. Voyant son visage, Shiori suppose qu'il s'est encore disputé avec Akari mais Jiro dit qu'il n'y a rien, alors elle lui dit de ne pas trop embêter Akari. Jiro demande après à Shiori si elle compte rester avec Minami jusqu'au bout du TP. Pendant ce temps, Akari nettoie la réserve du gymnase. Minami l'appelle, la surprenant et faisant presque tomber une boîte sur elle, mais Minami la sauve. Après cela, le cœur d'Akari commence à battre très fort et elle est rassurée que ses sentiments pour Minami n'ont pas disparu. Ensuite, Minami décide de partir, mais Akari rassemble son courage pour lui demander s'il va rester avec Shiori jusqu'à la fin du test. Minami suggère qu'il pourrait rester avec Shiori si cela lui convient. Ce qui rend Akari vulnérable et la fait pleurer car elle est blessée. Minami s'approche d'elle lui disant de le regarder dans les yeux et pendant ce temps, Kamo, toujours dans la salle de sport, les voit et pense à tort qu'ils s'embrassent, déclenchant une série de quiproquos. Pendant ce temps, Shiori affirme qu'elle ne peut pas décider seule et aura besoin de l'autorisation de Minami pour apporter des changements. Jiro tente de mentionner qu'il aimerait être le partenaire de Shiori s'il atteint un certain rang, mais avant que Jiro puisse terminer sa phrase, Kamo arrive en courant, interrompant les moments de Shiori et Jiro. Mais Jiro l'arrête et lui dit de faire demi-tour tant qu'il le peut car il est à deux doigts de l'envoyer au cimetière. Pile à ce moment, Minami et Akari sortent également dans un silence gênant, où règne une atmosphère tendue. Kamo tente d'agir pour détendre l'atmosphère, mais il finit par émettre un sentiment de défaite, se sentant vulnérable face aux filles. Minami remet la clé du gymnase à Kamo lui disant que leur prof lui demandait de le lui rendre. Puis après Minami part avec Shiori pour soumettre leur formulaire pour rester ensemble. Pendant ce temps, Akari se sent déprimé après ce qui s'est passé avec Minami alors que Kamo profite pour détaler. En classe, les amis d'Akari mentionnent qu'Akari est partie tôt car elle ne se sentait pas bien, ce qui surprend Jiro, qui décide de continuer son jeu. Ensuite, Kamo arrive et commence à tourner autour de Jiro. Énervé, Jiro lui demande ce qu'il y a, cependant, Kamo s'approche de Jiro, et l'informe qu'il pense que Minami et Akari se sont embrassés, même s'il ne sait pas la relation qu'ils ont. Cette information attriste Jiro, mais il essaie quand même de le considérer de manière positive en pensant qu'Akari sera heureuse plus tard dans la soirée. De retour à la maison, Jiro tente de parler avec Akari en lui demandant si elle est enrhumée, mais elle l'ignore. Cependant, Jiro s'approche d'elle en disant qu'il n'est pas Minami. Akari lui demande alors pourquoi il lui parle de Minami. C'est là qu'il révèle qu'il a entendu dire qu'elle s'est rapprochée de Minami pendant le cours de PS. Alors qu'il dit qu'il est content pour elle. Akari éclate de rire en expliquant qu'elle ne l'a pas embrassée et raconte ce qui s'est réellement passé. Alors qu'elle explique, Akari finit par pleurer en pensant qu'elle n'a aucune chance avec Minami. Jiro la console en la serrant dans ses bras pendant qu'elle pleure toute la nuit. Après cela, Jiro regrette la façon dont il a géré la situation en serrant Akari, pensant qu'elle aurait pu ne pas apprécier. Cependant, la situation prend un autre tournant lorsqu'Akari sort en portant le t-shirt de Jiro, ce qui lui donne l'impression qu'ils sont en couple. Akari s'assoit également près de lui, faisant battre le cœur de Jiro plus rapidement. Jiro décide de la sermonner, mais Akari révèle la vérité en informant Jiro que c'est son premier baiser, ce qui rend Jiro extrêmement heureux. Malgré cela, il décide de rester statique alors qu'Akari le taquine en disant qu'elle veut échanger de place avec Jiro. Le lendemain, Jiro se réveille tôt car il a des responsabilités en classe. Il informe Akari qu'il va bientôt partir, cependant, Akari attache la cravate de Jiro qui finit par regarder ailleurs, faisant tousser Akari. Après cela, Akari le serre dans ses bras mais par dès qu'il marque un autre point, ce qui amène Jiro à se demander si ce qu'il vit est réel ou non. En montant en classe, il remarque que Shiori est déjà là. Shiori lui dit qu'elle sera sa partenaire pour la tâche, car elle remplace Mei qui a une réunion de club aujourd'hui. Dans un flashback, on découvre que Shiori avait confessé ses sentiments pour Jiro à Mei, qui encourage Shiori à avouer ses sentiments. Cependant, Shiori lui dit qu'elle ne sait pas si Jiro ressent la même chose. Mei décide d'aider son ami en offrant gracieusement de changer de partenaire avec la promesse qu'elle essaiera d'embrasser Jiro. D'autre part, Jiro ressent une montée d'excitation à l'idée d'être associé à Shiori pour quelque chose enfin. À la cafétéria, les amis d'Akari l'informent que de nombreux couples de leur rang sortent ensemble. Ce qui fait suggérer à Akari que ce pourrait être des sentiments éphémères. Cependant, les amis d'Akari la taquinent joyeusement en disant qu'elle est folle amoureuse de Jiro maintenant, ce qu'Akari nie en rougissant. En classe, Jiro a du mal à engager une conversation appropriée avec Shiori, créant des moments gênants entre eux. Malgré cela, Shiori fait de son mieux pour maintenir la conversation en évoquant l'un de leurs enseignants du collège. Pendant ce temps, Akari ne parvient pas à joindre Jiro, alors elle visite la salle de classe. Avant qu'elle ne puisse crier le nom de Jiro, elle voit Jiro et Shiori ensemble dans la salle de classe et remarque le bonheur qui émane de Jiro. Elle s'en va, tandis que Shiori demande à Jiro de s'incliner et de fermer les yeux, mais elle perd son courage pour l'embrasser et ne lui avoue pas ses sentiments. Plus tard dans la nuit, Jiro se tient sur le balcon de son appartement et se remémore son jeune moi et la chance manquée de déclarer ses sentiments à Shiori. Jiro pense également que ne pas avouer aurait peut-être été une meilleure idée pour lui. Après cela, Akari rejoint Shiori en portant 2 tasses de lait chaud et taquine joyeusement Jiro sur le fait de passer du temps seul avec Shiori. Alors qu'Akari essaie d'aborder Minami dans la conversation, Jiro lui dit que c'est lui qui est là et pas Minami. Akari demande soudainement de l'appeler par son prénom. Jiro hésite en disant que c'est différent avec Akari par rapport à Shiori. Akari insiste sur le fait que Jiro n'a pas de problème à utiliser le prénom de Shiori, mais Jiro argumente que Shiori est spéciale pour lui. Imperturbable par la taquinerie ludique d'Akari, Jiro ne se laisse pas prendre par ses moqueries ludiques. Akari explique à Jiro que son prénom porte la signification de la lumière et qu'elle se sent renforcée lorsque quelqu'un l'appelle par son prénom. Jiro essaie d'appeler Akari par son prénom et laisse échapper involontairement que cela lui convient. Touché par les mots de Jiro, Akari suggère qu'il devrait aussi l'appeler par son prénom, sinon elle se sentirait comme la seule amoureuse dans la situation. Il faut un moment à Jiro pour assimiler le vrai sens des paroles d'Akari. Se sentant gênée, elle fait rapidement marche arrière et se retire dans sa chambre. Cela fait penser à Jiro qu'Akari a dû perdre ses esprits parce qu'il lui est difficile de croire qu'elle pourrait être amoureuse de lui. Pendant ce temps, Akari devient de plus en plus préoccupée par ce qu'elle a laissé échapper à Jiro et ses implications. Le jour suivant, l'enseignant annonce que la classe aura un test spécial où le score de chaque élève sera combiné avec celui de son partenaire. Cela signifie que les couples devront étudier ensemble. Jiro s'inquiète qu'Akari puisse le tuer car ses notes sont déjà en dessous de la moyenne. Il réalise qu'il n'a jamais vu Akari étudier, et, comme il le soupçonnait, après l'école, lorsqu'il demande à Akari de rentrer et d'étudier, elle montre peu d'intérêt pour les études et suggère d'aller au karaoké avec ses amis à la place. Jiro insiste pour qu'Akari annule ses plans et rentre à la maison pour étudier avec lui. Après beaucoup de supplications, Akari accepte à contre-cœur. Ailleurs, dans un café, Shiori donne à Mei des cours de mathématiques, et Shiori admire les compétences de Mei pour comprendre activement les problèmes. Cependant, Mei n'est pas d'accord, prétendant qu'elle est seulement douée pour les sports, montrant également un visage fatigué, indiquant que quelque chose d'autre se passe chez Mei. À la maison, Jiro découvre bientôt qu'il est difficile de concentrer Akari sur les études tandis qu'Akari suppose que Jiro veut étudier uniquement pour améliorer ses notes et potentiellement changer de partenaire. Mais Jiro est vraiment préoccupé par leur situation en tant que couple. Akari taquine Jiro et flirte avec lui, mais Jiro parvient à rediriger son attention vers la résolution d'un problème de maths. Étonnamment, Akari le résout bien, démontrant sa capacité. Après cela, Akari appelle Jiro « Sensei », ce qui fait battre plus vite le cœur de Jiro, et elle en profite pour le taquiner également. Les blagues d'Akari aboutissent à une tentative de baiser de Jiro, mais leur moment est ruiné par l'épistaxis de Jiro. Après un certain temps, Jiro se confie à Akari, révélant qu'il était déterminé à bien réussir le test parce qu'il se sentait peu sûr de son intelligence par rapport aux autres étudiants. Il ne voulait pas retenir Akari d'être associé à quelqu'un comme Minami. Cependant, alors que Jiro partage ses préoccupations, Akari réalise qu'elle ne veut pas que les choses changent entre elle et Jiro. Akari réfléchit à leur lien et réalise que leur connexion va au-delà des réalisations académiques. Akari valorise leur relation et chérit les moments qu'ils partagent. Elle rassure Jiro en lui disant que leur partenariat est plus qu'un simple score de test et qu'elle veut continuer à le soutenir et à être là pour lui, même si elle ne sait pas comment cela se passera. Le lendemain, en se préparant pour l'école, Jiro réalise qu'Akari lui parle formellement même si Akari fait tout normalement. Jiro ne peut pas comprendre le sentiment que quelque chose pourrait ne pas aller entre eux. Après avoir servi le petit déjeuner, Akari partage que son ami lui a donné un paquet de chocolats exquis qu'elle prévoit de manger avec lui le soir. Jiro se conforme, cependant, il sent toujours qu'Akari pourrait cacher quelque chose et se demande ce qu'elle a. À l'école, alors que Jiro essaie de trouver des raisons pour lesquelles Akari agit de cette façon à travers Google, Kamo demande la raison de la recherche. Jiro explique sa situation et demande à Kamo comment il gère une situation lorsque sa femme est en colère. Kamo parle de sa récente dispute où il était certainement responsable, se défendant en prétendant que sa femme devrait être honnête avec lui. Ensuite, Jiro reçoit un message d'Akari qui lui demande d'acheter du shampoing. Alors que Jiro répond à Akari, il entend Mei à l'extérieur qui refuse l'un de ses prétendants, ce qui les amène à se cacher tandis que Mei parle avec une fille. Kamo explique que Mei est super populaire auprès des filles ces derniers temps, car elle a fait de nombreuses déclarations, mais elle les rejette toutes, les deux pleurant leur propre malchance. La fille demande à Mei de l'appeler par son prénom, et Mei accepte à condition qu'elle arrête de pleurer. Après l'école, Jiro réfléchit aux mots d'Akari alors qu'il essaie de comprendre pourquoi elle a commencé à être si formelle. Le souvenir soudain d'Akari lui disant qu'elle aimerait que Jiro l'appelle par son prénom le fait se demander si cela pourrait en être la raison. À la maison, Jiro décide d'appeler Akari par son prénom quand elle rentre à la maison. Cependant, dès qu'Akari entre dans la maison, elle se précipite dans la salle de bain avec le résultat du partiel, qui montre que leur équipe a très bien réussi, faisant éclater de rire Jiro, qui est presque nu. Après la douche, alors qu'Akari sèche les cheveux de Jiro, il décide de tester sa théorie et appelle Akari par son prénom. Après l'avoir appelé 2 ou 3 fois, Akari finit par appeler Jiro de manière informelle, et Jiro réalise qu'il avait raison. Akari prétend que tant qu'ils vivent encore en couple, elle veut qu'ils soient informels l'un envers l'autre. Cette interaction entre eux fait monter leur score à plus de 50, ce qui les rend heureux alors qu'ils apprécient la compagnie l'un de l'autre. Le lendemain, alors que Mei se change en uniforme, elle reçoit également les résultats scolaires, ce qui la pousse à appeler Shiori pour l'informer de la situation. Mei pense que cela affectera la relation entre Jiro et Shiori. Mei affirme également que Shiori devrait essayer de faire le premier pas, car les gars comme Jiro ne prennent généralement pas l'initiative. Alors qu'elle parle, Shiori est touchée par un ballon de football, ce qui l'amène à se rendre à l'infirmerie. Mei contacte immédiatement Jiro et lui demande de rendre visite à Shiori avec un sandwich, mais Jiro agit avec réticence, ce qui amène Mei à le pousser. Après avoir demandé à Jiro de rendre visite à Shiori, Mei contacte Shiori qui se coiffe immédiatement et met du rouge à lèvres. Elle invite Jiro à l'intérieur, où Jiro réalise que Shiori a déjà préparé un sandwich. Shiori lui explique que Minami est venue la voir et lui a donné cela, faisant demander à Shiori comment vont les choses avec Minami. Shiori explique que c'est encore difficile pour elle de se connecter avec lui. Shiori félicite également Jiro pour ses résultats récents, tandis que Jiro réconforte Shiori pour ses lacunes. Soudain, le sujet du baiser commence, et Shiori demande à Jiro de l'embrasser, se sentant à l'aise avec lui, ce qui rend Jiro un peu mal à l'aise mais aussi heureux que Shiori tente de compter sur lui. Jiro demande à Shiori si elle est prête, ce à quoi Shiori répond affirmativement, mais au moment où il se rapproche, Shiori l'arrête. Cependant, avant que Jiro ne puisse reculer, quelqu'un entre dans l'infirmerie, faisant tomber Jiro sur Shiori. La vue de deux personnes ensemble effraie la fille qui s'enfuit, tandis que Jiro embrasse accidentellement Shiori. Après cela, Shiori demande à Jiro de partir pendant que Jiro s'excuse avant de partir. Pendant ce temps, Akari se sent mal à l'aise car Jiro ne répond pas à ses messages textes, tandis que son ami lui informe qu'elle vient de voir un couple à l'infirmerie. Peu de temps après, Akari reçoit une réponse de Jiro lui disant qu'il était à l'infirmerie, ce qui rend Akari triste en pensant que Jiro est avec Shiori. Plus tard dans la nuit, Jiro attend Akari pour rappeler qu'ils ont décidé de manger des chocolats. Cependant, Akari est au café, se sentant déprimé en pensant que Jiro pourrait sortir avec Shiori. La dépression d'Akari est si visible qu'un des employés demande à Minami, qui travaille également là-bas, de mettre plus de crème fouettée sur la commande d'Akari. Ce geste de gentillesse rend Akari heureuse tandis qu'elle boit son café. Akari rentre chez elle tard dans la nuit, où elle voit que Jiro a éparpillé tous les vêtements sales et qu'il dort sur le canapé. Akari essaie de parler à Jiro qui dort profondément, tout en recevant également un message de son ami disant que les chocolats contiennent du whisky. Akari voit les chocolats devant eux et pense que Jiro l'attendait. Ainsi, Akari décide de dormir avec lui en pensant qu'elle veut Jiro pour elle-même pour le moment. Le matin, Jiro se réveille pour réaliser qu'Akari a aussi dormi sur le canapé. Akari décide de taquiner Jiro en prétendant qu'ils ont fait quelque chose d'impie pendant la nuit, ce qui fait que Jiro prétend ne se souvenir de rien. Akari se montre effectivement cruel envers le petit protagoniste. Après avoir eu son amusement, Akari avoue que c'était un mensonge et qu'il ne s'est rien passé entre eux. Pendant ce temps, Akari se sent également heureuse que Jiro ne sorte pas avec Shiori pour le moment et décide de poursuivre sa relation comme elle le souhaite. Après cela, Jiro commence à éviter Akari pendant les pauses scolaires, ce qui pousse Kamo à demander la raison. Cependant, Jiro décide de l'ignorer. Pendant ce temps, en jouant au jeu après l'école, Shiori réfléchit à la façon dont elle va gérer les tonnes de déchets devant elle. Les amis d'Akari décident de l'aider et lui demandent pourquoi elle le fait seule. Shiori informe le duo qu'elle a pris ce travail parce qu'elle était libre. Entre-temps, Jiro et Kamo passent à côté d'eux, ce qui pousse l'ami d'Akari à les appeler. Cependant, Kamo et Jiro décident de les ignorer au début, mais lorsque Natsumi flirte avec Kamo, ils décident de prendre le devoir. Jiro se sent un peu mal à l'aise car Shiori est également présente. L'une des filles, Sachi, partage leur travail, mais Shiori décide de travailler avec Sachi au lieu de Jiro, ce qui fait que Jiro se sent complètement vaincu. L'expression sur le visage de Jiro pousse Kamo à informer sur l'emplacement des toilettes. Cependant, alors que Sachi travaille avec Shiori, elle réalise qu'elle pourrait avoir des sentiments pour Jiro. Ensuite, en dégustant des glaces, Sachi et Natsumi décident de savoir qui annoncera la nouvelle à Akari en utilisant pierre-papier-ciseaux, que Sachi perd. Elle demande à Akari si elle a des sentiments pour Jiro, mais Akari finit par se sentir triste, ce qui fait penser à ses amis qu'elle pourrait être amoureuse de Jiro. Les amis d'Akari font de leur mieux pour convaincre Akari que Jiro pourrait ne pas être son meilleur choix et qu'elle devrait rester avec Minami. Cependant, Akari prétend qu'elle pense que Shiori et Minami vont bien ensemble et qu'elle ne sait pas quoi faire pour le moment. Les filles lui rappellent que c'est un TP et Sachi affirme que Jiro fera la même chose avec une autre fille, alors Akari devrait reconsidérer ses choix. Après cette conversation sérieuse, Akari décide de rentrer chez elle. Pendant ce temps, Sachi et Natsumi discutent de l'avenir d'Akari. Sachi suggère qu'elle veut qu'Akari prenne toute décision qu'elle souhaite et qu'elle soutiendra celui qu'Akari choisira d'être. Natsumi regarde un prospectus d'un festival, et tous deux décident d'inviter Akari et les autres, car cela leur donnera l'occasion de confesser leurs sentiments et bien plus encore. Le jour du festival, Akari demande à Jiro de l'aider à attacher son yukata. Tout ce travail amène Jiro à essayer, ce qui le conduit à demander à Akari de ne pas faire autant d'efforts. Cependant, Akari affirme qu'elle le fait pour impressionner Minami, car ce vêtement la fera paraître mature et leur donnera la chance de profiter du feu d'artifice pendant que Jiro restera chez lui pour regarder le feu d'artifice seul. Akari trouve que le petit ne va pas bien avec son yukata et veut le changer et demande l'avis de Jiro pour le faire, mais il dit qu'il ne connaît rien sur cela. Après avoir attaché le gros nœud sur le yukata d'Akari, Jiro ajuste également la taille du yukata, les faisant tous deux rougir. Plus tard dans la soirée, Akari arrive au festival où ses amis la complimentent et lui informent qu'ils ont fait les arrangements nécessaires pour qu'Akari soit seule avec Minami la plupart de la soirée. Même si cette nouvelle fait rougir Akari, elle pense aussi à Jiro et à leur relation, se demandant si elle s'est plus attachée à Minami après cela. Les garçons les rejoignent, mais Minami n'est pas avec eux, ce qui pousse Sachi à leur demander des nouvelles de lui. Shu Terafune prend les choses en main et informe les filles que Minami n'est pas venu car il est resté coincé dans son travail. N'ayant pas réussi leur mission, Sachi dit qu'il ne présentera pas de filles aux garçons. Shu s'excuse auprès d'Akari mais elle dit que ce n'est rien. Il essaie également de réconforter Akari tout en prétendant qu'il achètera tout ce qu'Akari lui demandera, ce qui amène Saki à intervenir et lui donner le menu complet. Cette interaction étrange est observée par Natsumi, qui affirme qu'elle ne savait pas que Shu aimait aussi Akari. Saki et Natsumi continuent avec les garçons pendant qu'Akari se perd dans ses pensées sur la façon dont elle a passé tout ce temps à préparer ce moment très spécial. Cependant, elle se sent soulagée que Minami ne soit pas venue, ce qui rend Akari partagée alors qu'elle réfléchit à ce qu'elle veut faire de sa vie. Pendant ce temps, Shu essaie d'attraper un poisson pour Akari afin de la réconforter. Akari met son chagrin de côté et décide de profiter du festival pour le bien de ses amis. Cependant, des personnes parlant attirent l'attention d'Akari. Et elle réalise que Minami se promène au festival avec Shiori, déchirant le cœur d'Akari. Les amis d'Akari s'approchent d'elle et lui demandent ce qui la tracasse, mais Akari ne révèle pas qu'elle vient de voir Minami. Elles lui disent de ne pas s'en faire car il y aura d'autres occasions. Elle demande la permission de ses amis pour partir. Cependant, il s'avère que Minami et Shiori peuvent effectivement visiter le festival, utilisant ce trajet car il est proche d'un supermarché qu'ils voulaient visiter. Après leurs achats, Shiori et Minami prennent des chemins séparés car Minami doit aller travailler, tandis qu'elle s'inquiète de Jiro. Pendant ce temps, Jiro se sent seul en pensant à sa conversation avec Akari, qui était tout excité à l'idée de rencontrer Minami. Jiro réfléchit également au fait de savoir quelle est sa relation avec Akari, car il a été le premier à la prendre dans ses bras et à l'embrasser. Un sentiment de mélancolie envahit Jiro alors qu'il pense à leur relation et à leur lien. Il reçoit un appel d'Akari, ce qui le surprend, mais quand il décroche, il se rend compte qu'Akari pleure. Jiro tente de consoler Akari au téléphone, puis sort pour la trouver. Cependant, quand Jiro ouvre la porte, Akari est assise là, affirmant qu'elle a décidé de rentrer chez elle car elle ne savait pas quoi faire. Akari s'excuse ensuite auprès de lui et de ses amis qui ont fait des efforts pour elle, mais Jiro essuie ses larmes pour l'accueillir chez elle. Une affection soudaine de Jiro rend Akari vulnérable, et elle le serre dans ses bras en pleurant. Après avoir pleuré tout son chagrin, Jiro et Akari regardent les feux d'artifice depuis leur balcon, où Akari demande à Jiro de complimenter sa robe. Cependant, Jiro essaie de rester neutre, ce qui amène Akari à suggérer que Jiro pourrait être jaloux. Akari demande à Jiro d'essayer le style de yukata qu'il veut, ce que Jiro accepte, mais il n'arrive pas à obtenir le design qu'il veut. Akari suggère qu'il existe également une version vidéo, et en saisissant le téléphone, Jiro se rapproche d'elle, ce qui fait rougir Akari. Cependant, leur moment intime est interrompu par des feux d'artifice en forme de cœur. Jiro réfléchit au fait que cela pourrait être la première et la dernière fois qu'il profitera des feux d'artifice avec Akari. Jiro pense davantage au fait qu'il était soulagé qu'Akari soit rentré tôt et qu'il ne se soit rien passé entre elle et Minami, même s'il ne le demande pas directement à Akari. Alors que le temps passe, Shiori réalise qu'elle n'a pas parlé avec Jiro depuis leur baiser, tandis que Mei réfléchit aussi à la façon dont les choses vont évoluer. Notre protagoniste accro au jeu se sent également désorienté lorsqu'il doit choisir entre ces deux princesses dans le jeu. Pendant ce temps, Akari consulte son horoscope hebdomadaire, qui lui rappelle également d'être consciente de ses erreurs. Le lendemain, après l'école, Akari et Jiro regardent leur score hebdomadaire et réalisent qu'ils sont toujours en 13e place, ce qui les fait bouder, car ils doivent encore être dans le top 10 pour changer de partenaire. Cela rend Jiro un peu jaloux alors qu'il se souvient de l'incident du festival où un personnage a pleuré comme un bébé, se demandant pourquoi elle est toujours aussi déterminée à être dans le top 10. Ensuite, alors que Jiro prend un bain, Akari panique car elle craint qu'un intrus la hante, ce qui s'avère être une simple araignée. Akari emmène Jiro dans sa chambre où elle se rend compte que l'araignée a disparu, mais quand Jiro demande sa taille, Akari prétend qu'elle est minuscule, faisant se demander à Jiro s'il aime qu'Akari soit si mignonne. Akari décide de garder Jiro avec elle jusqu'à ce qu'il trouve l'araignée, et Jiro s'en occupe. Soudain, Akari réalise qu'elle doit aller aux toilettes et demande à Jiro de rester dehors, ce qu'il fait. Après avoir fait ce qu'elle devait, Akari se sent un peu confuse mais pense qu'elle est contente que Jiro soit celui qui est son mari, car elle n'aurait pas pu demander à Minami. Ensuite, Akari passe du temps à se faire les ongles tandis que Jiro mange sa glace, ce qui amène Akari à demander à Jiro de la partager avec elle. Cependant, Jiro est réticent, et Akari pense qu'il est un peu mignon et prend une bouchée de sa glace pour maintenir la conversation. Akari demande ensuite à Jiro ce qu'il serait passé s'ils se rencontraient dans d'autres conditions, ce qui amène Jiro à suggérer qu'ils ne seraient même pas amis car Akari ne lui parlerait pas. Cela fait réfléchir Akari à leur relation et au fait qu'elle n'aurait vraiment aucune idée de la vie personnelle de Jiro sans cette pratique. Akari aborde ensuite le sujet des 5 meilleurs pairs, ce qui amène Jiro à affirmer qu'ils sortent déjà ensemble, donnant à Akari l'occasion de suggérer qu'il devrait le faire aussi. Sa proposition fait figer Jiro pendant un moment, mais Akari gère la situation en déclarant qu'elle plaisantait. Malgré cette plaisanterie, ces mots résonnent dans l'esprit de Jiro alors qu'il réfléchit à la manière dont il allait répondre si Akari était sérieuse. Cependant, avant que Jiro puisse y réfléchir davantage, Akari aperçoit le perturbateur et crie. Jiro s'occupe enfin de la petite araignée et suggère à Akari qu'il achètera un insecticide, ce à quoi Akari répond qu'elle n'en a pas besoin, car Jiro accourra toujours lorsqu'elle demandera de l'aide. Le cœur de Jiro manque un battement, et tous deux vont dormir. Pendant que Jiro dort, Akari s'accroche au mur qui sépare leur chambre et pense à Jiro. Ailleurs, Minami approche Shiori, qui est silencieuse depuis quelques jours, pour lui demander la raison de ses inquiétudes. Shiori décide déjà de parler à Minami de son ami et prétend que son ami et la personne qu'elle aime se sont accidentellement embrassés. Shiori explique les détails de comment cela s'est produit, tandis que Minami renverse son thé sur lui-même. Shiori demande déjà l'avis de Minami sur ce que son ami devrait faire, car elle ne sait pas si la personne qu'elle aime ressent la même chose. Minami, qui sait que Shiori parle d'elle-même, suggère qu'elle devrait essayer d'être franche à propos de sa situation et lui suggère d'avoir confiance en elle-même. Le lendemain, après l'école, Shiori dit à Mei qu'elle devrait acheter quelque chose de voyant pour elle-même, ce à quoi Mei suggère que Shiori devrait être celle qui porte de jolies tenues pour impressionner Jiro. Cependant, Shiori reste obstinée à acheter une tenue pour Mei, ce qui fait rougir Mei alors qu'elle accepte. Shu interrompt ensuite la conversation pour informer les deux filles qu'il va passer un entretien pour un travail à temps partiel où travaille également Minami. Shu indique qu'il ira dîner avec Minami après l'entretien, alors il demande à Mei et Shiori de passer du temps ensemble, ce qui fait rougir Mei alors qu'elle acquiesce. Shu envoie ensuite un message à Minami pour lui demander s'il veut faire du karaoké. Minami lui donne le signal OK. Plus tard dans la nuit, après l'entretien, Minami se retrouve avec son manager ivre qui continue de dire des noms étranges à Shu. Le manager se révèle être le grand frère de Kamo, qui informe Shu que le grand frère de Minami est également très séduisant. Cependant, Minami agit un peu étrangement, le poussant à changer de sujet. Dans un café, Shiori planifie leur rencontre avec Mei, ce qui fait rougir Mei, alors elle détourne la conversation. La conversation se termine par Jiro, ce qui rend Mei jalouse, et elle s'excuse en prétendant que sa mère l'appelle et lui demande de rentrer à la maison tout de suite. Jiro passe également un bon moment avec son ami Kamo, qui se sent seul car il ne peut appeler que Jiro. Cependant, Jiro décide de partager son expérience avec Shiori pour obtenir des conseils de Kamo. Cette révélation soudaine rend Kamo jaloux, et il décide de faire disparaître la chance de Jiro avec les filles. Pendant ce temps, Shiori passe devant leur restaurant, ce qui fait penser à Jiro qu'elle vient de voir leur moment embarrassant. Il donne un coup de tête à Kamo pour se rendre compte que Shiori court vers eux. Jiro court vers Shiori pour dissiper le malentendu, mais il s'avère qu'il parle d'un incident totalement différent. Cependant, lorsque Jiro mentionne Kamo, ils comprennent tous les deux et parviennent enfin à avoir une conversation normale. Après un moment, Shiori suggère qu'il peut prendre les courses, et ils marchent ensemble vers chez eux. Shiori suggère qu'ils pourraient être en couple, mais elle s'arrête avant de terminer sa phrase pour éviter que les choses ne deviennent gênantes entre eux. Ensuite, Shiori mentionne l'incident de l'infirmerie dans l'intention de dissiper le malentendu. Mais la manière dont elle gère la situation fait penser à Jiro qu'elle veut toujours que tous deux restent amis. Cependant, ils tentent de s'embrasser, mais ils sont perturbés par des chats, et les deux partent pour rentrer à leur appartement.